Bonjour à tous, c'est Jean. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur Indica. Comme d'habitude, on va laisser parler la voix avant. Respect for his dying wish, or for the size of his epaulettes. What do you think? Donc, comme j'allais dire, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, mettre un petit pouce en l'air, vous abonner, et mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Parce que j'ai vu que le premier épisode, vous avez assez plu tout de même. On va continuer de toute façon le jeu complet. Alors, moi j'y vais à l'aveugle. Je vais par là, mais je suis même pas sûr que ce soit par là. Apparemment, oui. Jour du jugement, Indica avait souvent vu des images de ce qui attendait les pêcheurs en enfer, mais elle ne se souvenait d'aucun document indiquant ce que les justes devaient faire au paradis. 10 points. Bon, écoutez. Zut alors. Ah oui, avec la lumière, ça sera mieux. Oh, c'est tout chelou. Hein. On va aller par là avant. On peut pas. Ok. Allez, monte ma soeur. Ah, là on peut monter. Je fouille. Hein. Parce que... je veux de l'XP. On peut monter là. Oui, si. On verra bien. Je sais pas à quoi ça sert. Ça sert à rien. En tout cas, on entend des coups de feu. Quand même chelou. Allez, grimpons. Un coffre. Par là, dans la logique. Non. Oh, c'est quand même chelou. Alors attends. Là en fait ça fait bouger le truc, donc peut-être que... faire de l'escalade. Ah oui, donc il y a un truc à faire. Ah, que je mette le ici. Donc il faut que le coffre, je le mette par là. Là. Voilà. Allez.
ensuite. Bon, par là. Oui, j'espère. Allez, un petit peu de d'acrobatie. Husband. Husband. I guess he was loved. No. T'es là à prier et tu dis que tu l'aimais pas. Bon, ok. Une petite prière, ça fait pas de mal. Je continue par là. Peut-être un truc à fouiller. Là. Vendredi de Parashiva. Bon, je vous laisserai lire. Hein. C'est un petit peu long. Les mannequins. C'est un peu flippant. Ok. Je dirais qu'on entend des gens, des enfants. Quoi, il y a encore des coups de fusil là. Une petite pause. Ça, par contre, c'est trop cool. Il y a quelqu'un là-bas. Ouais. Ah, c'est d'où je viens. Donc, on va aller voir la maison ici, on sait jamais. À la maison. On pourra peut-être passer plus tard, tiens. Jouer. Peu important, peu importe. Bizarre, bizarre. Ah oui, c'est vrai, si j'appuie sur L1, elle court tout le L1, elle court tout le temps. Oh non, c'était un bug parce que là elle court plus. Là je la fais courir. Ah, un puits. Bon, je préfère te prévenir tout de suite. Hein. J'ai coupé normalement dans les options ce qu'ils appellent apparemment des scènes de nudité ou choses comme ça. S'il y a quoi que ce soit, je reviens après. Hein. Je coupe. Stop. Lost your nerve, huh? Why do you stop me? Since when do you obey me? Worry. Fear is a natural reaction, life-saving in most cases. What is your goal? To help the girl or show what a hero you are?
If you're trying to help, there's no chance. Calculating chances in a time like this. How low. Pas très discret. Listen to her. Doesn't like getting abandoned in the middle of an act. What? What? Did you see the size of that thing? Maybe you wanted to join them. Oh, c'est chelou. Not bad, I... didn't have enough, you motherfucker. He's back at it again. Hold on. Wait! Quiet. Stop yelling. You've saved me, and I've saved someone too. Attends, attends, où? A little more, and she could have... Lord have mercy. On peut pas trop loin, moi je vais faire un petit tour avant. Well, I don't know how much, but it's hard for me. I can't deliver a sinister. Sorry, what is your name? Ilya. Indica. Ilya. You know, they say that every hour that a patient doesn't get medical attention, their chance of survival is halved. Crazy thing to say, to be honest. It makes no sense to generalize like that. Do we include every case, even a pricked finger? Of course, the doctors say that to look more respectable, or to convince a patient of their authority, you know. Then it's reasonable. Our monastery receives all kinds of sick and deformed all the time. One might say we're doctors too at this point. There's so much we've already seen. No idea where to take it or where it came from. Sister! Did you arrive safely? No incidents? Kasyuk, is that you? Wait a second! Don't you dare! Why? Hey, you! Drop your weapon! Drop it! You drop your weapon! No, no. What? Don't taint your conscience with sin. You're going nowhere, mate. All right? Manage. I've got nothing to lose. Right, fine. Don't shoot, all right? Do it like this. Get on. Get on him. I'm telling you, go. Go. Get on. Get going! I'm telling you!
quelle musique. Allez, à bicyclette, on est parti. Adonf. Adonf. Plus personne dit ça. Adonf. Allez, cours. Eh oh. Faut pas insulter une sœur quand même. Accélère, je suis à fond. Abandonne son triste sort. On se plante caméra. Ah, pas bête. Hey. Hey. Are you wounded? Get up. No, 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 you don't need that. To you.
Bon, bah écoutez, on est parti à vélo. Ah, un peu plus de patates, là. Why are you rushing so much? Sorry. We're doing no more than 5 verses an hour, though. Whoa. Je sais pas non plus. Understand it, huh? Vous voulez à 2 à l'heure? The word versed, or how to start an engine. I grew up in a bike shop. My father sold them. In Spasov. Why in Spasov? No, in Gorodishchi. Never been to Spasov. That's where I grew up. The man's logic is flawless. Are you embarrassed to be so close to a man? She's been waiting for that. He's quite a looker, huh? Thick boy. I must smell awful. No, they kept us in the train for 3 days. Oh, don't worry. She likes it. Whoa! Pardon. Come on, grab her tits. Hey! Stop pretending. He's just like the men you imagine in your room when you're... Enough! All right, calm down. Is he a bandit or a sissy? Hold on to your seat, for God's sake. Eh, franchement, c'est vraiment chelou ce jeu, mais j'aime bien. Ça change des triple A de... Oula. Indica, viens voir ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, je peux. Tranquille. Tu crois pas que t'es un peu trop bu pour conduire? Allez, si tu arrives la première, l'une d'entre elles est à toi. Comment elle fonctionne? Appuie sur R2 pour accélérer, joystick gauche pour direction. Ouais, c'est sensible. Oh, ça me rappelle les vieux jeux de type RC Pro-Am sur NES. Allez, j'ai pris le petit coup de main. Malheureusement, je récupère pas toutes les petits jetons là. Mais bon, c'est pas grave. On est premier. Et voilà, qui est fait. Ah, ça va pas le faire. Troisième tour, c'est parti. Ouais, tricheur. Et... Ouais, comment il a triché. Oh, il s'est gaufré. Papa, c'est bon, je vais bien. Chérie, va à l'atelier, s'il te plaît. Ramène-moi 2 clés à molette de 9 et 13 mm et un marteau. Il n'y a plus de petite... Ah si, tiens. Hop, j'en profite pour la ramasser. Je peux pas passer par là, tiens. Ah, il y avait un raccourci. Ouais, un raccourci, mais bon. C'est qui, lui? Ouah, elle est à toi? Ouais, t'es qui? Mirko, et ta bécane est ridicule. Ridicule? Je suis sûr que t'en as jamais vu une comme ça. Elle roulait même par diverses. 10, elle a un réservoir de 4 litres. Elle pourrait en rouler 50. C'est ça, ouais. C'est un tas de ferraille. Allez, laisse-moi l'essayer. Non, tu sais combien ça coûte? Du calme. Je ferai attention, juste un tour.
Il va les ruiner. Je le sens gros comme une maison. Bon, en même temps, la vitesse à laquelle il roule, pas sûr. Et il nous l'a piqué. Je crois qu'on s'est fait berner. Et je crois qu'on va se faire engueuler. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort. Ah, je peux le temps de lire. You won't survive the afternoon. Our prison doctor, he told me the same thing. Word for word. But that was over a week ago. And he didn't do anything? Sadly, the only surgical equipment he had was a rusty wash basin. Very funny. All right. All right. Don't worry. It should be like that. Only like that. I'm also talking to God. To God? Great. You need to get up if you don't want to lose something else to frostbite. What do you mean you talk to God? What? Oh, my arm. You've seen my arm, yes? It's been a week or more. I doubt it. And what does God have to do with this? Well, let me explain. Ever since that night, everything, every event, it all happened as I was told it would. I'm certain I was the only one who left that train alive. It's all going according to plan. Every fucking step is God's plan, do you understand? So taking me hostage was God's plan? I know what you're thinking. But remember the gospel. The father who gave his money to the prodigal son, not to the beloved one, the good one, but to the bandit. He who had been murdering and stealing but came back. He came back. Do you understand? I think the Lord is happier to see one repentant sinner than 100,000 righteous people. I don't know. They don't even need repentance. Do you hear me? You know, he laid everything out before me. Spread out like a deck of cards, the past, the present, the future. Who? God, who else? I was lying there, about to die. And a sister, just like you, brought me some water in this mug. And I was drinking and I saw ripples in the water. Little round waves, and heard a whisper, so I drank, and... You heard God in a cup? In a cup, yes. But that's not the point. I'll show you when we get there. Maybe we should go around. A nun and an officer? Who cares? But the telegraph poles. The cables are ripped out, though. And
And the road. Doesn't look like it's been used lately. Bah écoutez, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour la vidéo du jour. Et bien effectivement, on va s'arrêter là pour la vidéo du jour. Et puis on essaiera de débloquer ce chariot dans la prochaine vidéo. Et moi je vous dis donc à bientôt. Allez, salut.